past forgotten, emotional flicker. You were my everything. We know we could have done it better. Fought for the little things we wanted. I know it was so good together. Still, you had to let go. Alors, je m'appelle Pascal Briand, j'ai été 8 fois champion du monde de roller entre 1999 et 2005. Mon premier titre, c'était au Chili, sur la distance du 500 mètres, qui était plutôt ma distance de prédilection, 500 mètres et 1000 mètres. Mais donc 1999, je gagne le 500 mètres. Ensuite, j'ai gagné 3 titres en 2001 à Valence d'Agen, sur 500 mètres, 1000 mètres et 500 mètres route. J'ai gagné ensuite en 2002 à Ostende en Belgique. Et enfin en 2005 en Chine à Suzhou. 3 titres également. Alors c'est difficile d'avoir un meilleur souvenir sur 8 titres de champion du monde, mais je pense que le meilleur souvenir c'est peut-être quand même le premier titre, parce que c'est une libération. Il y a quelque chose qui change. Il y a un sentiment d'être libéré après le premier. Et ça crée une autre ambition aussi, l'envie d'en avoir plus. Mais donc, ouais, je pense quand même mon meilleur souvenir, c'est cette finale du 500 mètres à Santiago du Chili en 99. Je suis avec Hippolito Sanfratello, qui est une légende. À ma gauche, j'ai Chad Hedrick et Kate Turner, qui étaient les meilleurs sprinteurs de l'époque ou les meilleurs patineurs de l'époque. Et du coup, quand je gagne cette finale du 500 mètres, c'est un truc énorme parce qu'en demi-finale, Franck Cardin s'est sacrifié et m'avait laissé la place pour que je puisse arriver en finale. Donc ouais, c'est mon meilleur souvenir de roller parce que je gagne et parce que il y avait une complicité avec Franck et une capacité de sacrifice entre nous d'une course à l'autre, quoi. Alors, est-ce que j'ai toujours rêvé de devenir champion du monde? Je pense que quand j'étais en fait enfant, je rêvais d'être champion du monde. Je pense à ça, on va dire, un peu avant l'adolescence. Ensuite, vers l'adolescence, ça c'est le rêve s'est transformé en projet. Je pense que quand j'étais ado, j'ai créé le projet de devenir champion du monde et j'avais en gros programmé ma vie pour devenir un jour champion du monde de roller. Je savais pas si j'allais être champion du monde, mais je voyais quand même que, d'après ce que j'entendais, j'écoutais beaucoup quand même les différents entraîneurs que j'ai eus, j'entendais que je pouvais être champion du monde. Donc je me suis dit, il faut prendre l'occasion, et je vais tout mettre en place pour essayer de devenir champion du monde un jour. Donc j'ai quand même assez vite compris, après quelques années d'entraînement quand même, mais en sortant de l'adolescence, je m'étais dit, et j'étais quasiment sûr que j'allais être champion du monde un jour. Je ne savais pas quand, mais j'allais être champion du monde un jour. Alors quand je passe la ligne après mon premier titre, donc en 99, là, c'est d'abord un sentiment de libération en fait, parce qu'il y a tout le travail accompli, c'est des années d'entraînement. J'ai dû commencer à m'entraîner, j'ai été minime, c'est-à-dire je devais avoir 13 ans. Je crois que j'ai 23 ans quand je prends mon premier titre, quelque chose comme ça. Donc ouais, il m'a fallu 10 ans d'entraînement quotidien. Donc il y a une forme de libération qui apparaît, c'est un soulagement. Il y a tout le corps il se relâche, un petit bonheur instantané et un sentiment de mission accomplie. Voilà, c'est mission accomplie, voilà, 10 ans de travail qui se concrétisent juste en une fraction de seconde au moment où on franchit la ligne. Au moment où on tire la couverture sur soi et qu'on se couche, on regarde le plafond, on fait un petit sourire et on se dit bon voilà, ça c'est fait. Mais on pourrait croire que d'abord on est juste simplement heureux, mais honnêtement le sentiment que j'ai eu à ce moment-là c'est normal. Pour moi c'était normal, j'avais mis en place tout ce qu'il fallait pour être champion du monde, donc
J'étais même surpris que ça soit pas juste du bonheur, c'était juste, bah, c'est normal, t'allais être champion du monde, tu savais pas quand, c'était aujourd'hui. Donc, faut profiter que j'avais du coup le niveau pour être champion du monde et j'ai essayé de me reprojeter tout de suite dès le lendemain. T'as gagné aujourd'hui, tu peux regagner demain. Et c'était dur à contrôler parce qu'il y a un peu de bonheur accepté, le corps se relâche en fait. Mais c'était surtout, non, c'est normal, j'ai gagné, faut que je puisse regagner le lendemain. Voilà. Voilà, et le lendemain matin, quand je réveille, premier sentiment, c'est t'as gagné la veille. C'est possible, aujourd'hui il y a une autre course, j'en aurai encore une autre demain, le championnat ça dure 3 jours sur piste, 1 jour de repos, 3 jours sur route. Moi j'avais gagné au 2e jour sur piste, donc c'était possible d'en prendre plus. Donc j'étais tout de suite ambitieux, j'ai essayé de me remettre dedans, et au moment du réveil, ben, on y croit, on se dit allez c'est possible, aujourd'hui il y a le 1000 mètres, il y a le relais, je peux encore gagner. Ouais, j'ai essayé de m'en mobiliser, alors ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'on se rend compte quand même que la pression tombe, le corps se relâche, donc on n'arrive pas à remettre la même intensité le 3e jour de course. Finalement, ben, le lendemain de ce titre, j'ai pas réussi à remettre la même intensité. Je crois que je fais 2e du 1000 mètres avec un petit peu de surconfiance en fait. J'avais trop de confiance en moi et j'ai presque un peu même sous-estimé Chad. Donc, je fais 2e le lendemain sur le 1000 mètres et je crois qu'on fait 3e au relais sur la piste, il me semble, avec dans l'équipe, il y avait peut-être Franck Cardin peut-être, et Arnaud Jiquel, il me semble. Donc, j'étais pas à 100%, mais j'étais quand même pas mal le lendemain. Ah, la victoire du 500 mètres, elle était pas si nette que ça, parce que elle était pas facile. Je pars 3e, il y a Chad qui part 2e, avec Kate Turner qui part 1er. Au premier virage, Chad, du coup, il me bloque, et Kate Turner, il a 10 mètres d'avance. Il prend directement 10 mètres d'avance dès le premier virage. Je réussis à passer Chad assez vite et du coup je cours après Kate Turner avec Chad dans ma roue. C'est pas la situation idéale et j'arrive au dernier virage. Je vois que j'ai encore 2-3 mètres de retard sur Kate Turner. J'ai Chad qui est pas complètement collé, il a pris un petit mètre de retard. Donc en fait là j'ai joué coup de poker. Je me suis jeté corde en me disant c'était des pistes incurvées, donc quand on allait vite on passait à l'extérieur, mais là c'était glissant à la corde. J'ai pris coup de poker, je me suis jeté corde et je dis tant pis, je tente de croiser tôt et de relancer. Et un petit peu de chance peut-être parce que Kate Turner il explose complètement dans le dernier virage. Et du coup Chad il se retrouve derrière moi bloqué à pas savoir du coup comment gérer la situation et je gagne. Donc c'est pas de la chance parce qu'il y a du travail en amont, mais il y a un peu de réussite parce que Kate Turner il plante et Chad il se retrouve un petit peu aussi piégé. Quoi. Je suis juste super content parce que j'estimais ou je trouvais que j'avais été le meilleur même tactiquement sur cette course-là ce jour-là. Quoi. Alors sur les 8 titres de champion du monde, plusieurs fois, je ne gagne pas tout seul. Et notamment le premier titre de champion du monde en 1999, ben, je gagne la finale, mais je gagne la finale parce que je suis avec Franck Cardin dans la demi-finale, et à 20 mètres de la ligne, lui il est deuxième, moi je suis troisième, donc je ne suis même pas qualifiable à ce moment-là pour la finale. En théorie, c'est lui qui va en finale, et c'est inoubliable parce que le sens du sacrifice qu'on avait, il s'est relevé et il m'a laissé passer en finale. Aussi parce qu'il savait peut-être que j'avais plus de chances de gagner la finale, mais ça veut dire qu'il a été capable de sacrifier certainement même, je crois, sa première médaille mondiale pour que moi j'aille chercher un titre derrière. Donc ouais, sans un équipier ce jour-là, j'aurais pas gagné, ça c'est sûr. Et sur d'autres courses, voilà, c'est souvent ça, que ce soit dans les relations avec Thomas Boucher ou avec Franck Cardin, parce qu'on a souvent couru ensemble sur les 500 mètres et 1000 mètres, j'aurais pas pu prendre autant de titres. Je pense que j'aurais la moitié de mon palmarès aujourd'hui, si j'avais été tout seul, quoi. Si j'avais voulu courir tout seul et de façon égoïste, j'aurais à peine la moitié de mon palmarès. Et bien sûr, je pense à tous ces équipiers régulièrement, en fait, parce que bah, le roller, pour moi, c'est ma vie, ça a toujours été programmé complètement comme ça, avec une carrière d'athlète et une carrière d'entraîneur par la suite. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à quasiment tous les équipiers que j'ai eu en équipe de France à un moment ou à un autre. Il y a des petits moments, j'ai des flashs comme ça qui me reviennent des situations qu'on a vécues en compétition. Donc c'est une relation quand même forte, même si on ne se voit pas tous très souvent. Moi j'ai beaucoup de pensées pour tous mes collègues de l'équipe de France. Donc ouais, bien sûr que bah, on peut, faut profiter aussi de ça pour, bah, je peux que les remercier parce que c'est pas évident de trouver des équipes. Alors, ça a fluctué hein, entre toutes les années, entre 1995 et 2005 qui a présenté ma carrière senior. Il n'y a pas toujours eu une ambiance de partage et de sacrifice en équipe de France.
Mais comme par hasard, toute la période où j'ai eu mes titres, c'est la période où on était capable de se sacrifier à 100% les uns pour les autres. Donc je peux que remercier tous ces coureurs avec qui on a été capable de se mettre à 100% les uns pour les autres pour qu'on puisse gagner. Là, il y a Arnaud Giquel, il y a Franck Cardin, Thomas Boucher, voilà, il y en a plein, mais il y a eu plein de coureurs sur cette période-là, mais les principaux noms sont là. Alors, est-ce que je me sens plus aimé parce que j'ai été champion du monde ? Je dirais que oui, quand même, parce que je pense que je suis assez simple et assez humble, mais le fait qu'il y ait autant de personnes, quand on est champion du monde, on reçoit beaucoup d'attention en fait. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit la famille, les amis ou des fans tout simplement, qui viennent tout le temps te féliciter. Et j'ai pu ressentir quand même ce côté amour qui vient. Alors il est très fort au niveau familial, il est aussi très fort avec les équipiers et les amis ou les collègues d'équipe, mais il est aussi fort avec tous les fans qui nous suivent, qui nous encouragent pendant les courses. Donc je pense que ça m'a aidé même à plus m'aimer moi-même d'être champion du monde. Je pense que je m'aime plus aujourd'hui parce que j'ai été champion du monde un jour. C'est assez difficile à gérer ça. Au début, quand on est plus jeune, en fait, il y a presque de l'inconscience, on s'en rend pas trop compte. Et je pense que le fait que j'ai gagné pendant aussi plusieurs années, il y a un cumul qui s'installe. Et au fil des années, on se perd même un petit peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma réalité s'est déformée parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent nous féliciter ou nous faire des compliments qu'on ne retrouve pas la vraie image qu'on a de soi-même. On a une image, on s'approprie une image qui nous vient de que des compliments des gens. Et ça nous perd un petit peu, ça nous fait faire des erreurs en fin de route. Donc c'est très difficile à gérer. Au bout d'un moment de ma carrière, sur les dernières années, j'étais probablement devenu un petit peu arrogant. Et à un moment, je m'en suis rendu compte. Et ça m'avait surpris. Je dis, mais non, t'es pas naturellement quelqu'un d'arrogant. On redescend un petit peu sur Terre. Et ça m'a permis de me rendre compte que, ouais, il y avait un contexte qui se cumulait depuis plusieurs années, qui a fait que c'était pas si facile de gérer l'amour, on va dire, familial des équipiers et des fans. Donc c'était vraiment, vraiment dur à gérer, je trouvais. Alors j'ai eu quand même pas mal d'entraîneurs, et je m'en rappelle, je pense, de tous. Alors mon premier entraîneur, c'est lui qui m'a mis sur les rollers, en fait. C'était Christophe Poulmoin, au Rac-Saint-Brieuc. C'était dans la salle du lycée Saint-Pierre. Une toute petite salle, et c'était des patins à quad à lanière. À l'époque, et c'est lui qui m'a appris à patiner, en fait. Ensuite, apprendre à faire de la course, c'était Goulven Manac. C'était toujours le même club au Rac-Saint-Brieuc, et c'est Goulven Manac qui m'a appris à faire de la course. Et il m'a appris à aimer la course, en fait, et ça, c'était quelque chose d'important. Ensuite, quand j'ai commencé à devenir plus ambitieux, c'est Michel Le Guillou. J'ai changé de club, et c'était sous les ordres de Michel Le Guillou, et lui, il m'a appris à devenir encore plus ambitieux, il m'a appris à m'entraîner dur, il m'a appris à ne pas me plaindre et à travailler en équipe. Et il m'a transformé pour le haut niveau, on va dire, pour le haut niveau et pour l'excellence. Donc ouais, il m'a donné la culture de la compétition, la culture de la gagne. Je pense que j'étais pas naturellement quelqu'un qui aimait gagner. Alors j'aimais gagner dans tous les jeux quand même, mais j'étais pas hyper, hyper ambitieux. Et là, sur cette période-là, ça m'a vraiment transformé, ça c'est clair. Ensuite, il y a eu Christophe Audouard, quand on était proche pour les équipes Salomon. C'est Christophe Audouard qui nous a appris surtout en fait le côté professionnel, le côté aussi gestion de son image, et le côté gestion tactique et gestion de carrière. Il nous a apporté, je pense, que tout ce côté-là. Donc ça, voilà, c'est sur la partie, on va dire, hors équipe de France. Après, en équipe de France, j'ai eu plusieurs entraîneurs, alors chez les jeunes aussi. Mais on va, pour simplifier, je vais surtout parler des entraîneurs que j'ai eu en senior. En fait, ça a commencé par Charlie Lucas, et c'était le tout début du patin en ligne. Donc, il avait été recruté. C'était un entraîneur américain qui avait été recruté. Et il nous faisait faire quasiment que de la technique. Donc, on venait de passer des patins traditionnels au patin en ligne, et du coup, on savait pas vraiment bien patiner. Donc, à l'époque, c'était les Américains qui étaient un peu en avance là-dessus, et il nous a appris toutes les bases, on va dire, de la perfection technique quelque part, et de l'exigence à vouloir répéter le même geste pour le rendre précis. Et je me rappelle d'énormément de séances avec des stages à Font-Romeu où quasiment tous les matins on faisait les mêmes programmes avec des petits cercles, des grands cercles pour apprendre à bien croiser. Donc voilà, Charlie Lucas, il a été un personnage important pour me sensibiliser à la technique.
Et ensuite, il y a eu Serge Gadère sur quasiment toute ma carrière aussi, qui était exceptionnel dans le sens où il vivait dans le présent. Et il était capable de prendre les bonnes décisions au bon moment et d'aligner du coup les meilleurs athlètes du moment. Des fois, il oubliait un petit peu le mérite de la saison parce qu'il sentait tellement bien qu'il était en forme le jour J. Et il avait cette magie-là, et je pense que ça, c'était une qualité très très importante pour un entraîneur équipe de France, dans le contexte du roller de l'époque. Ah, aujourd'hui, moi, c'est sûr que j'aimerais bien remercier tous ces entraîneurs, parce que ils ont forgé ma vie c'est le roller, et ils m'ont appris tous à différentes étapes, différentes choses qui me permettent, moi, de transmettre des connaissances aux plus jeunes maintenant, de transmettre un patrimoine de connaissances important, donc je peux que les remercier. J'ai la chance d'en recroiser beaucoup. Il y a quelques jours, j'ai passé du temps 3 heures avec Michel Leguillot, on a rediscuté, et c'est énormément de souvenirs. Il y a la même complicité, des fois on ne s'était pas vu pendant plusieurs années, et en fait il y a la même complicité que la première année où on s'entraînait ensemble, et toujours aussi impressionnant. Et des fois je recroise Christophe Poulmoin quand je vais faire les stages du Pôle Espoir à Saint-Brieuc. Donc voilà, on se croise et c'est juste énorme de pouvoir partager des souvenirs de temps en temps comme ça. J'ai peut-être souvenir d'en avoir remercié comme ça, dire merci vraiment pour ce que tu m'as fait, ce que tu m'as apporté, mais pas avec tout le monde. Pour certains, c'est presque même pas nécessaire, c'est un regard, je pense que... Et on se comprend juste d'un regard, on sait que... En fait, on se remercie l'un et l'autre, parce que je pense que ça n'a pas été que des relations qui vont dans un sens. Je pense que quand un athlète aussi performe, c'est aussi une grande fierté pour l'entraîneur. Donc je pense que les... Voilà, juste au regard, on arrive à se remercier l'un et l'autre, tout simplement, en fait. Bah, je pense que mes parents, ils ont toujours été fiers de moi, comme de mon frère ou de ma sœur. Mais peut-être quand même que la réussite sportive, ça a augmenté ça un petit peu. Je pense que ça les a rendus encore plus fiers, aussi parce que... pas parce que je faisais, mais aussi parce qu'ils avaient fait eux-mêmes pour me permettre de réussir. C'est sûr que tous les kilomètres qu'ils ont fait, tout le temps passé, que ce soit autant l'effort financier comme l'effort de temps, c'est-à-dire, une fois que le travail est réalisé, ça les rend plus fiers. Je pense qu'ils auraient quand même été très très fiers, même si j'avais pas réussi, même si j'avais été en milieu de peloton ou plus loin, ils auraient été fiers de moi quand même, mais c'est vrai que le jour où je suis devenu champion du monde, j'ai quand même pu ressentir que... il se passe quelque chose d'encore plus fort, en fait. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'accompli qui était vraiment fort, quoi. Le fait d'avoir été champion du monde, ça n'a pas fondamentalement changé la relation entre moi et mes parents, mais ça m'a aidé. J'avais envie certainement de leur prouver aussi que j'étais capable de faire des choses, parce que je pense que j'ai rien d'athlétique au départ. Je suis pas spécialement, je me trouvais pas plus doué que ça. Mais avec du travail et quand même de l'envie de réussir, ça a apporté quelque chose dans notre relation. Ça a créé en fait surtout un projet aussi familial. Ils ont sacrifié du temps et il y a de la réussite derrière. Donc c'est valorisant pour tout le monde. Ça montre que si on fait les efforts et qu'on fait les bonnes actions, on a plus de chances de réussir. Et quand on est dans un truc positif, ça crée de la fierté et puis ça renforce les liens aussi, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est sûr. Et ouais, je pense que c'est quand même pas facile en fait de se mettre devant ses parents et juste de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. J'ai le souvenir de l'avoir fait, mais je peux même presque pas être sûr que je l'ai fait quand même, en fait. Je sais pas si je l'ai fait dans mes rêves ou si je l'ai fait dans la réalité, parce que j'y pense souvent. Donc j'ai presque un flou entre ma réalité et mes rêves, où je les ai remerciés presque tous les jours pour ça. Donc je pense que je l'ai fait, mais je n'en suis pas sûr à 100% quand même. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour tous les efforts, que ce soit vous avez fait au niveau de la famille, financier et d'un point de vue temps aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment chronophage de préparer un enfant à une réussite sportive. Il n'y a pas de magie, hein. Ça peut que se faire aussi parce qu'il y a la disponibilité des parents et l'envie de nous amener à l'entraînement. Quand on arrivait tous les soirs à l'entraînement et qu'il fallait aller rouler derrière la R25 comme,
comme Franck s'est mis à le dire, il fallait que j'aurais pas pu y aller tout seul avant mes 18 ans sans mon permis. Il a fallu que soit mon père, soit ma mère m'y amène à chaque fois. Donc ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Même pour la motivation des parents à accepter de faire ça, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Ouais, c'est pas un dû, c'est une relation qui se crée avec le temps. Et des fois, on peut entendre des enfants qui peut-être réclament ça et qui disent c'est normal que mes parents doivent m'aider. Tout comme on entend aussi de l'autre côté des fois où on bord des pistes, on peut voir des parents qui réclament aux enfants de performer parce qu'ils font les efforts. Et je pense que ça marche pas comme ça en fait. Il faut que les choses se fassent naturellement. Faut que quand j'étais enfant, j'avais envie d'y aller et mes parents avaient envie de m'amener. Et c'est ça qui a créé la réussite parce que du coup il n'y avait pas de pression. On faisait ça parce que on y prenait du plaisir en fait. On avait du plaisir à réaliser ce projet tous ensemble. Alors quand j'étais athlète, j'avais pas peur qu'on oublie que je sois champion du monde. Enfin, je m'imaginais au début qu'un jour j'allais arrêter ma carrière et puis le temps passe, il y a des plus jeunes qui arrivent et puis tant mieux s'ils font mieux en fait. Je suis resté longtemps comme le français le plus titré avec 8 titres. Et puis un jour Alexis Quentin il est arrivé et puis il en a pris 8 et puis il en a pris 9 et puis encore plus derrière. En fait c'est super parce que ça veut dire aussi qu'il y a quelque part une partie du patrimoine qui se transmet d'une façon ou d'une autre, et tant mieux s'il y a d'autres Français qui réussissent derrière. Et de toute manière, je pense que fondamentalement, un jour on sera oublié. Mais c'est pas, je pense que c'est aussi, il faut pas laisser quand même cet oubli s'installer. Parce que si on arrive à montrer qu'il y a des champions du monde français de roller, c'est aussi montrer que c'est possible. Et que je pense qu'il y a des jeunes du coup qui vont voir que c'est possible de devenir champion du monde de roller, qui vont avoir envie de s'entraîner, et avec des parents qui vont avoir envie de s'intéresser au projet aussi. Et donc j'ai pas peur de l'oublier, mais je le laisse pas s'installer pour autant en fait. Donc j'essaie de le préserver de différentes façons, en étant actif sur le terrain par mon travail, en étant actif sur le terrain aussi en faisant la promotion du roller au quotidien, par des vidéos, par des interviews avec des journalistes ou d'autres actions. Donc voilà, j'ai pas peur de cet oubli parce que ça arrivera un jour en tous les cas, mais je pense que préserver un patrimoine de reconnaissance des champions du monde du roller, c'est faire la promotion du roller et c'est créer d'autres projets et d'autres envies. Au début, en tout cas, on est personne. Hein. Et au bout du compte, presque tant qu'on n'est pas champion du monde, on n'est pas grand monde quelque part, parce que moi j'ai vu la différence entre le jour où je suis devenu champion du monde, en fait il y a une reconnaissance qui s'installe. Le jour où je dis tiens je suis champion du monde de roller, j'avais pas tendance ou vocation à le crier sous tous les toits, mais dans certains contextes on est mis en valeur et ça change quand même le regard des gens. On voit quand même pour beaucoup une petite étoile dans les yeux et ce côté ah ouais c'est possible en fait, donc ouais, ça donne envie de partager ça. L'anonymat, j'y serai un jour. Je pense qu'à un moment, je pense que les jeunes qui commencent le roller aujourd'hui, ils savent pas du tout que j'ai été 8 fois champion du monde. Et c'est pas très grave au début. Tant mieux s'ils le savent après. C'est pas pour moi que ça me fera plaisir. C'est juste que peut-être que ça va leur donner des idées, tant mieux, quoi. Ouais, je pense que ça m'a fait devenir une meilleure personne parce que ça m'a obligé à me responsabiliser, à faire attention à mes faits et gestes, à essayer de devenir plus exemplaire, pour motiver d'autres personnes à suivre le même projet. Mais ouais, je pense qu'on devient champion du monde, ça nous impose d'être plus responsable et ça nous impose en quelque sorte de devenir meilleur. Le niveau d'exigence augmente aussi. C'est beaucoup plus dur de ne pas culpabiliser quand on fait une faute, en fait. Parce qu'on devient en quelque sorte exemplaire. Et je suis quelqu'un d'assez simple, juste gentil, en fait, naturellement. Mais ça m'a quand même incité à avoir plus de responsabilités. C'est-à-dire que quand on est champion du monde et qu'on dit quelque chose, ça oblige à être plus responsable sur ses paroles parce que les gens nous croient, en fait. Donc si je me suis rendu compte, si je disais une connerie, les gens me croyaient.
Et donc ça implique de devenir plus responsable, ça implique aussi d'être exemplaire. Il y a plein de jeunes qui nous regardent et qui veulent devenir la même personne ou le même athlète. Donc si on montre qu'on fait des conneries, qu'on fait n'importe quoi, ça a une influence. Ouais, je pense que le jour où je suis devenu champion du monde, ça a quand même changé ma vie. J'avais un projet, je l'ai réalisé, et du coup je me suis rendu compte qu'avec du travail et un peu de talent, et en étant capable de travailler en équipe avec d'autres personnes, on pouvait faire des choses qui sur le papier ou qui pour d'autres personnes paraissaient impossibles. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à montrer que je voulais être champion du monde, j'entendais beaucoup de personnes qui disaient « non, c'est pas possible, c'est ça ». Et puis quand on le devient, on se rend compte que c'est possible, et du coup on gagne en confiance. Donc moi, la confiance d'avoir été champion du monde elle rayonne dans ma vie de tous les jours. Je pense que des fois même presque en excès de confiance, mais je pense que ça a changé ma vie parce que je me dis que du coup tout est possible, quoi. Je peux faire tous les projets que je peux faire, ils vont se réaliser. Ça sera qu'une question de temps et de travail. C'est-à-dire que si je décide de faire un projet et que j'y mets pas le temps ou l'énergie, réussira pas, mais si même si j'ai pas les compétences, ça m'a montré que le jour où je décide de faire quelque chose, je vais le réussir. Donc ça a clairement changé ma vie. Alors, est-ce que j'aurais été aussi heureux si j'avais pas été champion du monde? Honnêtement, je pense pas. Je pense que le fait d'avoir été champion du monde, ça me rend plus heureux parce que c'était presque un projet de vie. Et très tôt, j'avais décidé ça. Je pense que j'avais peut-être 14-15 ans quand j'avais décidé de devenir champion du monde. Je ne savais pas si ça allait être possible, mais clairement, je suis plus heureux, je pense, parce que j'ai réussi. Par contre, je pense que je n'aurais pas eu de regrets non plus si je n'avais pas réussi. Ça, c'est important comme notion aussi, parce que je pense que j'ai fait mon maximum. Avec les connaissances que j'avais, avec les compétences que j'avais, avec le système que je pouvais avoir autour de moi, je pense qu'on a donné le 100%. Et donc j'aurais pas de regrets, mais je pense que je suis plus heureux aujourd'hui parce que j'ai été champion du monde et parce que c'était mon projet de vie, quoi. Et donc en fait ces titres, je pense qu'ils vont me rendre heureux toute ma vie en fait. Et il pourrait se passer, même il y a plein de difficultés dans la vie qui nous arrivent, que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est un refuge en fait. Dès qu'il y a un moment difficile dans la vie, je peux me réfugier derrière ça et me dire « bon, ça c'est fait de toute manière, c'était presque... » L'essentiel, c'était ce que je voulais faire, et c'est une valeur sur laquelle je peux me raccrocher quoi qu'il arrive. Et c'est presque un bonheur éternel maintenant. Alors, décrire le bonheur d'être champion du monde, c'est pas évident. Alors, en plus, je suis pas un champion du français, donc trouver les bons mots, c'est presque impossible, parce que ça, c'est quelque chose qui s'ancre dans son corps, en fait. Moi, je le sens quelque chose, c'est quelque chose qui est ancré dans mon corps, et c'est tout mon corps qui le ressent. C'est tout mon corps qui le ressent et qui a envie de le partager. Mais trouver les bons mots pour décrire l'émotion que ça représente et la satisfaction que ça représente, c'est trop dur. C'est trop dur, je ne suis pas assez bon. Les seuls mots que je pourrais dire, c'est d'essayer d'aller faire la même chose pour découvrir soi-même, en fait. Donc je vous invite à essayer de faire la même chose, de recréer un projet pour ressentir ça, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qui va me marquer toute ma vie. Alors, sur les premiers titres, je pense pas que mon attitude ait changé. Je pense que je suis resté vraiment le même mec, assez simple, ambitieux, qui croit que tout est possible et qui se donne le temps de faire les choses. Mais il y a quand même des choses qui ont changé, notamment sur le cumul du nombre de titres. Je pense que ça m'a déformé et que mon attitude a changé avec le temps. Et je me suis rendu compte que sur ma fin de carrière, j'étais devenu un peu arrogant. Arrogant parce que je pense que la réussite exagère la confiance en soi, la confiance en moi que j'avais. Et le fait qu'on ait tout le temps félicité par d'autres personnes, ça avait déformé ma vision du monde en fait. Donc je pense que j'étais devenu un petit peu arrogant, un petit peu... surréaliste même, et que
que ça m'avait déconnecté de la vie, même sur une période de ma vie. Alors, je pense pas que c'est resté très longtemps, mais avec beaucoup de recul, 15-20 ans après, je m'en rends très bien compte quand même, quoi. Donc, mais je pense que pendant un an ou deux, j'ai dû être un peu plus arrogant que ce que j'étais naturellement. Alors, est-ce que ça avait changé grand-chose vis-à-vis de ma famille et de mes amis? Ouais, je pense que ça a changé quelque chose quand même, parce que du coup, il y avait une réussite commune. Et du coup, ça fait juste un bonheur commun qui restera à jamais avec ma famille. Et ça crée des histoires et des anecdotes communes avec tous mes amis qui étaient aussi mes équipiers et avec qui, les patineurs avec qui j'étais en équipe de France. Donc je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie, et souvent quand on se rend compte, on en reparle encore. Et je pense que dans 20 ans, si tout va bien, on en reparlera encore. Donc ouais, je pense que ça a changé quelque chose. On n'aurait pas la même relation aujourd'hui, même entre équipiers, si on n'avait pas gagné. On se rappellerait peut-être plus des mauvais souvenirs, alors que là, on a aussi un sentiment de mission accomplie quand même. Donc on est amis à jamais, en fait. Je pense que ça nous rendra, même si on ne se voit pas souvent ou tous les jours, quand on se retrouve, c'est souvent ce côté, on a l'impression de ne pas s'être perdu de vue, quoi. Je pense que oui, en fait. Et ça reste un petit peu encore. Le fait de devenir champion du monde et de le répéter, je pense que ça m'a donné ce sentiment que, surtout quand on est athlète dans ces périodes-là, les années, je me rappelle 2001, où j'ai gagné 3 titres dans le même championnat, on a l'impression qu'il ne peut plus rien nous arriver, en fait. Donc, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, je le réussissais même. Ce qui était plutôt le cas, d'ailleurs. Donc, il y a quand même un sentiment d'invincibilité qui s'installe et qui reste pas que dans la sphère sportive. J'ai l'impression que à l'école, je réussissais pareil. Dans ma vie amoureuse, je réussissais pareil. J'ai l'impression que tout me réussissait sur cette période-là. Donc il y a vraiment un sentiment d'invincibilité qui s'installe et qu'il faut quand même relativiser, parce que avec du recul et là, à l'après-carrière, les choses changent. Mais sur la période sportive, ouais, je pense que j'ai une période où on se sent ainsi, comme certains jours de la carrière. Je pense que j'ai 2-3 fois dans ma carrière où il y a le jour, un jour, tu sais pas pourquoi, tu es infatigable, tu peux rouler, tu te fais jamais mal aux jambes, et puis tu gagnes les courses facilement. 2001, en championnat du monde, ça m'a fait ça. En 2005, ça m'avait fait ça aussi. Donc j'ai 2-3 jours de ma carrière comme ça où je me rappelle l'impression d'être indestructible, invincible. Et l'invincibilité, ça m'a quand même fait commettre pas mal d'erreurs, surtout sur la fin de carrière. Parce que du coup, on analyse mal la situation. On ne prend pas tous les éléments en compte, et des fois, on peut se prendre quelques revers. Et c'est ça qui nous fait un peu retomber aussi à la réalité, remettre les pieds sur terre. Ça ne fait pas de mal, mais ça, donc, des fois, une bonne claque après une bonne défaite, ça fait du bien aussi. Ça permet de se rendre compte que l'invincibilité est quand même relative. Sur ma fin de carrière, j'ai eu une période où j'étais un peu arrogant, et même un peu arrogant avec les plus jeunes. Alors, est-ce que c'était de la jalousie parce qu'ils allaient venir me piquer ma place? Je pense pas, mais des fois j'avais des comportements peut-être un peu agressifs ou peut-être un peu durs avec certains plus jeunes qui arrivaient en équipe de France, mais c'était aussi une façon... c'était une sévérité pédagogique pour leur montrer que ça allait pas être facile et que la route était longue, et que pour réussir, il fallait vraiment être capable de surmonter ça. Donc des fois, certainement, j'ai dû avoir des mots difficiles pour des plus jeunes qui n'étaient pas forcément adaptés. Mais s'ils ont pris le message et qu'ils se sont endurcis, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de pédagogique quand même. Donc, et s'ils ne l'ont pas vu, je m'en excuse, parce que ça devait être un peu trop dur. Et je le revois encore aujourd'hui dans certains athlètes. Certains athlètes ont repris ce comportement, avec des athlètes qui ont des carrières similaires à la mienne, où ils ont plus de 5-6 titres de champion du monde. Des fois, il y a ce même comportement qui se reproduit. Donc voilà, il faut juste arriver à être capable de corriger le tir et d'être le plus pédagogique quand même possible pour que tout le monde soit heureux dans le contexte équipe de France. Je pense que je suis le contre-exemple de ça. C'est-à-dire qu'on entend souvent qu'il faut qu'un athlète il ait un ego énorme pour être champion du monde, et je pense que moi, mon ego, il est ridicule. J'ai plutôt tendance à me sacrifier et à passer après les autres.
Donc, je pense pas que j'ai un ego très important et je pense que je suis un des cas où on peut qui montre en fait qu'on peut réussir avec un ego très faible. Donc, je pense que ouais, c'est pas une qualité indispensable pour être champion du monde, même si c'est. Je me rends compte que ceux qui étaient meilleurs que moi, ils avaient peut-être un ego plus important. Donc, c'est peut-être quelque chose que. Je me suis souvent dit d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il aurait fallu que je travaille, que je me force à développer mon ego, parce que ça m'aurait peut-être rendu plus ambitieux, peut-être que j'aurais pu gagner plus de courses. Ça, je me suis souvent fait cette remarque-là, et mais bon, ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, mais en fin de carrière, je me suis, même au milieu de carrière, je me suis souvent dit qu'il fallait que je me booste un petit peu au niveau de mon ego. Au début, elle est un peu plus fat quand même, parce que il y a tellement d'émotions dans le milieu sportif, dans l'événement sportif en lui-même. Un championnat du monde, c'est une émotion hyper forte. Et il y a souvent un petit coup de blues quand on en revient, où on fait souvent des changements un peu fous et débiles dans sa vie à posteriori. Et en fin de carrière, c'est un peu ça aussi. On sait qu'on va plus vivre ces moments forts. Donc il y a un petit blues qui s'installe et le quotidien peut paraître un peu plus fade. On voyage moins, on voit moins de monde, on voit moins de gens de cultures différentes. Donc il y a un petit côté un peu, un peu, la vie c'est un peu chiant. Mais on rebondit vite quand même sur la carrière professionnelle en fait, avec l'envie de donner le maximum et de retransmettre et de s'épanouir dans la carrière professionnelle. Donc il y a un petit down on va dire, mais si on rebondit vite sur sa carrière professionnelle et qu'on se remet ambitieux, qu'on refixe d'autres objectifs, parce que c'est vrai qu'à la fin de sa carrière sportive, on a atteint des objectifs, on avait centré sa vie, enfin moi c'était mon cas, j'avais centré ma vie là-dessus, et il fallait que je me réinvente des objectifs pour une autre partie de ma vie, donc ça a pris un peu de temps, mais maintenant ça fusionne, il y a quand même peut-être même trop. Quand j'ai arrêté, j'ai pas eu l'impression que j'étais mort en tant que champion du monde, mais ça fait un peu mal au cœur quand même parce que il y avait encore un peu d'ambition, j'avais envie de faire un peu plus, mais j'étais aussi cramé quoi. C'est-à-dire que j'avais donné toute l'énergie que j'avais et en fait je me rappelle très bien le jour où j'ai arrêté, donc j'ai pas de regret non plus là, par rapport à ça parce que quand j'ai arrêté c'était le jus de chaussette quoi, il restait plus rien et je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai arrêté. J'avais mis mon sac dans le coffre de la voiture, je suis allé à l'entraînement. Je suis arrivé au bord du circuit et je suis resté dans ma voiture et je me dis non c'est fini et je suis rentré chez moi tout simplement. Et c'est marrant parce que quand ça m'est arrivé, eh ben, je me rappelle d'Arnaud Jiquel qui m'avait raconté exactement la même histoire quelques années avant, je sais plus, c'était peut-être 2 ou 3 ans avant, il m'avait dit je suis allé à l'entraînement, j'ai laissé mon sac dans la voiture et je suis rentré chez moi. Et en fait ben, j'ai eu l'impression d'arrêter exactement de la même façon que lui. Donc, mais en paix, parce que ce jour-là, je savais que c'était fini, quoi. Après, hop, voilà, ma carrière était finie. Ça s'est arrêté là. Je suis rentré chez moi et puis j'ai pas fait de sport pendant un moment. mais en fait, la première fois, non. Parce qu'on n'a pas la recette et il y a quelques blocages qui se créent. Et la première victoire, elle est toujours hyper dure. Après, ce qui est dur, c'est une fois qu'on a gagné une fois, c'est de vouloir reconfirmer. Et moi, il m'a fallu 2 ans. Et la deuxième opportunité, elle est venue 2 ans plus tard. Donc, reconfirmer, c'était plus facile parce qu'il y a la confiance qui est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a accompli une fois, c'est plus facile de regagner. Mais ce n'est pas facile de recréer les opportunités quand même. Et puis au bout de 3, 4, 5, on gagne tellement confiance en soi que ça devient presque facile parce que on sait qu'on est le plus rapide et c'est possible. Et à la fin, ça devient plus dur parce que il y a l'âge qui arrive, on va moins vite, on a un peu moins de relance, il y a des petits jeunes qui poussent. Donc il y a du doute qui s'installe, il y a un peu de peur qui s'installe, on est un peu moins foufou dans le peloton, on a un peu peur de tomber. En fin de carrière, ça devenait plus dur. Voilà. Mais globalement, sur l'échelle d'une carrière, c'est quand même vraiment pas facile d'être champion du monde si on n'a pas bien cadré son projet. Je pense que si on sait bien adapter ses objectifs
à ses capacités et qu'on crée bien le système pour réussir, il n'y a pas de raison particulière que ça ne marche pas, du moins atteindre le plus haut niveau possible. Mais voilà, il faut être capable d'avoir cet objectif qui est presque intemporel. Moi, je savais que j'allais être champion du monde, mais je ne savais pas quand. Donc c'est tombé en 99, ça aurait pu tomber en 2001, ça aurait pu arriver en 96 ou en 95. Mais c'est aussi passé parce que mon objectif d'être champion du monde, il était intemporel. Je m'en foutais quand j'allais gagner, mais il fallait que je gagne un jour. Voilà. Et un des exemples qui m'a motivé aussi quand même à ça, c'est que je savais que c'était aussi possible parce que on avait... c'était Arnaud Jiquel, je crois, avait gagné en 91. Il avait gagné la course à points au stand, il me semble. Et quelque part, ça avait remontré à tous les Français que c'était possible de devenir champion du monde. Donc moi, j'étais plus jeune, j'étais peut-être encore justement minime cadet quand lui, il a gagné. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a fait mûrir l'idée que je voulais devenir champion du monde pour faire comme Arnaud Jiquel. Des 500 mètres seniors, messieurs, avec Pascal Briand qui a pris le départ de cette finale. Et vous voyez Pascal qui entre en tête dans le dernier virage. Pascal qui fait actuellement son effort. Va-t-il pouvoir résister au retour de l'Allemand devant le Colombien? Oui, c'est fait. Victoire! Victoire pour Pascal Briand. Superbe victoire. Et même troisième de ce championnat du monde. Ça, c'est super. Trois titres pour Pascal. Il remporte ce 500 mètres. Et un de plus. En attendant, bien sûr, la photo finish qui confirmera les autres places. Donc, au niveau du 500 mètres, senior. Look at me just one more time. Tell me that you don't regret. Really thought we were fine. Then you shot.